فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك، أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons commencer le commentaire d'une nouvelle sourate, à savoir dans la succession, comme on l'a dit. Donc, on a commencé par sourate Nas, ensuite sourate Al-Falaq. On va dans le sens inverse, même si ce n'est pas de coutume, mais c'est parce que c'est pour faciliter un petit peu la tâche aux frères et sœurs dans la connaissance de ces sourates qui sont apprises par pratiquement tout le monde, mais parfois on n'en connaît pas assez les secrets. Et donc on va commencer sourate Al-Ikhlas, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad. C'est une sourate qui est composée de 4 versets, alors que sourate Al-Falaq est composée de 5 versets et sourate Nas est composée de 6 versets, 4, 5 et 6. Dit: il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons, donc Allahu Samad, mais on donnera toutes les explications nécessaires pour désigner le mot As-Samad. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Alors, on va aujourd'hui voir les noms, l'intitulé qu'on a donné à cette sourate-là. On va parler aussi de lieu de sa révélation, et ce qu'ont dit les savants à ce propos, et ensuite on terminera avec les mérites de cette sourate, et la prochaine fois, bi'idhnillah azza wa jal, on commencera l'explication à proprement dit. Alors c'est une sourate qui est très particulière. Pourquoi? Parce que au niveau de l'intitulé, il a eu plusieurs intitulés. Les savants ont compté une vingtaine de titres qui ont été donnés à cette sourate. On l'appelle sourate Al-Ikhlas, on l'appelle sourate At-Tafrid, on l'appelle surat al-Tawhid, on l'appelle surat al-Najat, on l'appelle surat al-Wilaya, on l'appelle surat al-Ma'rifa, on l'appelle surat al-Jamal, on l'appelle surat al-Asas, on l'appelle surat al-Nisba, on l'appelle surat al-Mani'a, surat al-Mahdar, surat al-Munaffira, al-Bara'a, al-Nur, al-Muqashqisha, al-Mu'awwida, etc. Et on va citer l'explication de chacun de ces titres-là. Ce sont des détails qui sont importants. Pourquoi ? Il faut les savoir. Il faut le savoir. D'autant plus que les savants arabes disent toujours Kathratul Asma tadullu ala kathrati sharaf. Kathratul Asma tadullu ala sharafil musamma adatan. Donc, dans la majorité des fois, le fait, la multiplication la multiplication de l'intitulé témoigne du mérite du dénommé. La multiplication de l'intitulé témoigne du mérite du dénommé. Donc c'est parce que c'est une sourate qui a énormément de mérite, comme on va le voir, qu'on lui a donné énormément d'intitulés. Alors l'intitulé le plus connu de cette sourate, le plus répandu, celui que vous trouvez majoritairement dans les Corans, c'est sourate Al-Ikhlas. Sourate la sincérité. On peut la traduire par la sincérité, mais l'ikhlas, ça a plusieurs significations. L'ikhlas, et pourtant, comme on l'a souvent dit, le mot l'ikhlas n'existe pas dans cette sourate. Mais elle fait, on lui a donné ce titre-là, c'est parce qu'elle fait référence à l'ikhlas. L'ikhlas, on peut le comprendre de différentes manières. L'ikhlas, c'est la sincérité dans l'acte, dans la croyance. Et donc, quelque part, cette sourate permet aux croyants qui a la foi en sa thématique et qui a la foi en les messages qu'elle nous envoie, de devenir sincère dans ses œuvres. Et bien entendu, tout ce que Allah Azza wa Jal nous demande, c'est la sincérité dans l'adoration. Oma Omero
illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. La question de l'ikhlas, c'est la question principale et l'objectif principal de la religion musulmane. Alors, on l'appelle aussi l'ikhlas parce que khallasa al-shay'a, ça veut dire il l'a purifié. Lorsqu'on a par exemple des choses qui sont démêlées et on veut un petit peu les qui sont mêlées et on veut les démêler pour sortir quelque chose d'un ensemble hétérogène, donc on dit khallasahu min al-shay'. Donc cette sourate a été aussi appelée l'ikhlas selon d'autres savants parce que c'est une sourate qui s'est spécifiée ou bien qui va parler exclusivement de l'unicité de Dieu. Elle ne va aborder en tant que thématique que celle-ci. Elle ne va pas la mélanger avec d'autres thématiques. Alors que dans les autres sourates, on trouve plusieurs thématiques dans la même sourate. Celle-ci, donc quelque part, elle a l'identité de Dieu. Elle s'en est accaparée pour en parler exclusivement dans les quatre versets qui la composent. Donc, khallasat hadha al-mawdu, donc elle a quelque part filtré ce sujet-là, cette thématique-là, de toutes les autres thématiques coraniques pour c'est-à-dire se pencher exclusivement sur la définition de l'identité de Allah Azza wa Jal. Les savants aussi la considèrent comme sourate al-ikhlas parce que celui qui comprend son sens et celui qui traduit ce qu'il va comprendre dans ce sens-là en lui-même, c'est quelqu'un qui va être sauvé, sauvegardé de l'enfer. Yakhlosu mina al-'adhab. Donc il va être écarté de l'enfer et épargné de l'enfer et du châtiment. Il va être aussi épargné du polythéisme. Il va aussi être épargné de la mécréance. Donc c'est tout cela est englobé par le mot polysémique al-ikhlas. Le deuxième titre qu'on lui donne, c'est surat al-tafrid ou surat al-tawhid. Al-tafrid, c'est parce qu'on dit dans certains hadiths, Allahu huwa al-fardu al-samad ou al-fardu al-ahad. Al-fard, ça veut dire l'unique aussi. Mais on verra la nuance qui peut exister entre al-fard ou bien al-wahid et al-ahad. On verra ça lorsqu'on abordera le terme al-ahad. Donc on l'appelle surat al-tafrid en faisant référence à al-fard. Il est l'unique. Tafrid. Ou bien al-tawhid, parce qu'elle parle de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, de ahadiyat Allah Azza wa Jal, puisque Allah Azza wa Jal, dans cette sourate, il a cité deux fois ce terme-là, qul huwa Allahu ahad, et à la fin, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sauf que le ahad du début n'est pas pareil que le ahad de la fin. Ahad du début, c'est un des noms de Dieu, donc c'est une définition de l'entité divine. Alors qu'à la fin, وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ, personne ne lui est semblable. Donc le ahad ici n'a rien à voir avec le mot ahad du début. Et c'est une surat tawhid parce que donc, le mot ahad, ahadiyat Allah Azza, c'est la seule surat d'ailleurs qui utilise ce mot en référence à l'attribut de Allah Azza wa Jal. On l'appelle surat al-najat, surat la sauvegarde, c'est elle qui sauvegarde. Pourquoi? Parce que celui qui s'en imprègne sera sauvé de l'enfer ne rentrera pas en enfer. Celui qui l'aimera ne rentrera pas en enfer, comme on va le voir dans les hadiths qui vont suivre. On l'appelle surat al-wilaya, qu'on peut traduire par l'élitisme. C'est une surat qui va élever le croyant au degré les plus hauts parmi les musulmans. Vous savez que Allah Azza wa Jal parle de l'awliya, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Les élus de Dieu, la khawfun alayhim, n'auront pas peur, wa lahum yahzanun, ils n'ont pas de quoi être affligés. Qui sont-ils? Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, et qui craignaient Allah Azza wa Jal. Et dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jal dit, man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Celui qui manifeste une animosité à un de mes élus, je lui déclarerai la guerre. Et le hadith Qudsi est authentique. Donc l'wilaya, pour celui qui comprend le sens de cette sourate-là, au niveau de sa foi, elle va être élevée. Donc forcément, il atteindra les degrés de ceux qui sont protégés, qui seront protégés par Allah Azza wa Jal, et de ceux qui seront proches de Allah Azza wa Jal. On l'appelle aussi sourate al-ma'rifa. Pourquoi? Parce que on a beaucoup de connaissances à avoir sur cette terre et la meilleure ma'rifa, la meilleure connaissance qu'on puisse avoir, c'est la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Or, cette surah nous définit les piliers de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, de l'entité divine et des attributs
divin. Voilà pourquoi on l'appelle surat al-ma'rifa. Celui qui a compris le sens de cette surat et les secrets de cette surat, c'est qu'il a acquis la vraie connaissance. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu rapporte qu'un homme a récité Qul huwallahu ahad, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ayant entendu a fait cette remarque. Il a dit: celui-là est un homme qui a connu son Seigneur. Hadha rajulun arafa rabbah. Celui-là, c'est un homme qui a connu son Seigneur. Voilà pourquoi on l'a appelé surat al-ma'rifa. C'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban. Sixièmement, on l'appelle surat al-jamal, la surat de la beauté. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Allah est beau et il aime la beauté. Et comme cette surat-là va nous définir qui est Allah Azza wa Jal, donc quelque part il va nous dévoiler la beauté de notre Créateur, la beauté d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est la surat de la beauté par excellence. Septièmement, on l'appelle surat al-Asas, qu'on peut traduire par l'essentiel ou bien les fondements. Al-Asas, c'est les fondements ou bien l'essentiel à connaître. Puisque bien entendu, elle aborde un sujet très important dans la religion musulmane, à savoir la doctrine islamique, l'aqida al-islamia. Et le sujet le plus important dans l'aqida, c'est ma'rifatullah azza wa jalla, la connaissance de Dieu. Donc c'est elle qui va nous donner l'essentiel dans la connaissance de notre Seigneur. On l'appelle aussi surat an-nisba. An-nisba. Et nisba, c'est difficile de la traduire, c'est comme, on peut la traduire par l'identité ou bien l'ascendance. Et ceci fait référence à un hadith qu'on verra tout à l'heure, lorsque des polythéistes ou des juifs, selon les versions du hadith, sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit unsub lana rabbak, unsub lana rabbak. Lorsque je te dis ma huwa nasabuk, quelle est ton ascendance ou quelle est ton appartenance, quelle est ta filiation. Nasab, c'est comme la filiation. Quelle est ta filiation, quelle est ton appartenance familiale. Donc tu dis mais nasabi Foulan, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Donc eux, ils ont dit unsub lana rabbak. La question, ça veut dire définis-nous ton Seigneur. Mais l'arabe, nisba, normalement, on ne peut en parler que pour les êtres humains qui ont des pères, des grands-pères et ainsi de suite, qui ont une filiation. Mais on ne peut pas normalement parler d'Allah Azza wa Jal à ce niveau-là. Et donc eux, ils ont dit unsub lana rabbak. Et c'est là où Allah Azza wa Jal a révélé cette sourate, lam yalid. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc vous n'avez pas à questionner sur l'ascendance. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé Nisba. Donc on peut dire qu'on l'a appelé surat Nisba parce que Allah a rejeté la question qu'ils ont posée. Il n'a pas de Nisba par rapport à un ascendant. On peut le comprendre comme ça. Ou bien Nisba, si on la prend dans le sens de l'identité, quelle est ton identité. Donc là, Allah s'est identifié à travers les quatre versets de cette surat. Voilà pourquoi on l'appelle surat al-Nisba. On l'appelle aussi surat al-Mani'a. Al-Mani'a, c'est-à-dire celle qui protège ou celle qui empêche que le mal se rapproche. Donc, et les savants disent al-Mani'a, ça veut dire parce qu'elle va, c'est-à-dire celui qui l'aime, celui qui comprend son sens, qui médite ces versets, sera protégé du châtiment de la tombe. Donc, tamna'uhu min adhabi al-qabr et min adhabi jahannam. Il le protège du châtiment, du supplice de la tombe et du châtiment de l'enfer. On l'appelle aussi surat al-mahdar. Et le mahdar, on peut le traduire par l'audience. Pourquoi? Parce que lorsqu'on la récite, les anges viennent, les anges qui sont aux alentours, dès qu'ils entendent quelqu'un la réciter, ils se rassemblent pour l'écouter. Ils se rassemblent vite. Et vous voyez, il n'y a que quatre versets. Autrement dit, ils ne demandent pas beaucoup de temps, quelques secondes pour la réciter, mais les anges viennent avec une vitesse, vous connaissez la vitesse des anges, donc avec une grande vitesse pour écouter la récitation de cette surat parce qu'ils l'aiment énormément. Donc le mahdar, c'est l'audience qui se réunit pour écouter celui qui la récite, surat al-mahdar. On l'appelle aussi surat al-munaffira. Al-munaffira, c'est celle qui éloigne, et elle éloigne en fait Satan. Lorsqu'il est récité, Satan quitte l'assise. Il ne peut pas rester proche de celui qui la récite. On l'appelle aussi surat al-bara'a. Et le bara'a, c'est, on peut la traduire par l'innocence, on peut la traduire par le désaveu. C'est le bara'a min ash-shirk, le désaveu du polythéisme, le désaveu de la mécréance, l'innocence de la foi islamique, l'innocence de al-fitra, sur laquelle la nature initiale,
sur laquelle Allah Azza wa Jal a créé l'être humain. On l'appelle aussi Surat An-Nur, Surat la lumière, parce qu'on rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit « Likulli shay'in nur » à chaque chose il y a une lumière. « Wa nurul Qur'an qul huwa Allahu ahad » à chaque chose il y a une lumière, et la lumière du Coran c'est Surat qul huwa Allahu ahad. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini ici dans d'autres hadiths. 14e intitulé, c'est Surat Al-Muqashqisha. Et là, on en a parlé, c'est le même nom que porte Surat, le même intitulé que porte Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas, Al-Muqashqishatayn ou bien Al-Mushaqqishatayn. Donc, elle est Al-Muqashqisha. Et on a dit que le Muqashqisha, on dit Qashqashahu Dawa'u min al-Jarab, ça veut dire que le médicament l'a assaini ou bien l'a guéri de la lèpre, par exemple. Donc le Muqashqisha, c'est parce qu'elle guérit le cœur de celui qui l'a médité de nefaq, de l'hypocrisie. Il le guérit de polythéisme, il le purifie de la mécréance, il le purifie de tout doute qu'il peut avoir à propos de Allah Azza wa Jal. On l'appelle aussi Surat Qul Huwa Allahu Ahad. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il l'appelait comme ça. Qul Huwa Allahu Ahad. Lisez Qul Huwa Allahu Ahad. Donc c'est l'intitulé que lui donnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, même l'imam al-Bukhari dans son sahih, il a mis un chapitre qu'il a intitulé donc les mérites de Qul Huwa Allahu Ahad. Ça veut dire tout le premier verset est considéré comme le titre aussi de cette surah. On l'appelle aussi Surat Al-Mudhakkira. Al-Mudhakkira, ça veut dire celle qui fait rappeler Allah Azza wa Jal, celle qui fait rappeler l'identité d'Allah Azza, celle qui fait rappeler l'unicité de Allah Azza wa Jal. On l'appelle aussi Al-Mu'awwidah, la protectrice, et c'est le même intitulé qu'on donne à Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas, sauf que lorsque vous entendez Al-Mu'awwidhatayn ou Al-Mu'awwidhatan, les deux protectrices, là ça fait automatiquement référence à Qul A'udhu bi Rabbil Falaq et Qul A'udhu bi Rabbin Nas. Lorsque vous entendez en duel, c'est les deux dernières surat. Mais elle aussi est considérée comme une Mu'awwidah. Rappelez-vous du hadith qu'on a déjà cité, dans lequel Aïcha radiallahu anha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il allait dans sa couche, qu'il allait dans son pour dormir, donc dans son matelas, il tendait les mains et il lisait Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Ensuite, il postillonnait ou bien il soufflait dans ses mains et il passait ses mains sur son corps en commençant par la tête et ensuite le devant de son corps et il répétait cela trois fois. Donc voilà pourquoi on l'a appelée Al-Mu'awwidah, ça veut dire elle est protectrice. Donc en fait, on a dans le Coran trois Mu'awwidat. Qul wallahu ahad, qul a'udhu bi falaq et qul a'udhu bi rabbi an-nas. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par An-Nasa'i Al-Bazzar, avec une chaîne de transmission valide, il a dit jamais, jamais les demandeurs de protection, ma ta'awwadha al-muta'awwidhuna bimithlihinna qattu. Donc jamais le demandeur de protection, ou bien les demandeurs de protection, le mu'awwidhun, n'ont sollicité celle-ci avec quelque chose qui serait similaire à celle-ci. Alors celle-ci, au pluriel, en faisant référence aux trois sourates. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbin nas, qul a'udhu birabbil falaq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jamais ceux qui demandent protection n'ont lu quelque chose semblable qui protège et qui serait semblable à celle-ci, en faisant référence aux trois sourates. Donc il les a considérés comme faisant partie des sourates protectrices. 18e intitulé, c'est Surat Al-Iman, et là on le comprend puisqu'il parle de la thématique de l'Iman, de la foi. Et ensuite Surat As-Samad, en faisant référence au mot du deuxième verset, Qul huwa Allahu ahad, Allahu As-Samad, et on expliquera la signification de Samad au moment voulu. Et enfin, on l'appelle Surat Al-Aman, Surat de la sécurité, de l'apaisement. On peut la sécurité, l'Aman, parce que ça vient de l'Aman, comme ça peut être l'Aman, l'apaisement. Donc tout ce qui tourne autour de ces valeurs-là, de la protection, de l'apaisement, de la sécurité. Et donc c'est la sécurité de l'au-delà, de ce qui attend les gens dans l'au-delà. Donc regardez combien d'intitulés, et rien que ces intitulés montrent son mérite quelque part. Et c'est là où on voit pourquoi les savants disent, lorsque l'intitulé est multiple, ou les intitulés sont multiples, c'est que le mérite est énorme.
Maintenant, le deuxième point, c'est concernant le lieu de sa révélation. À l'instar de Sourate Al-Falaq et de Sourate Nas, les savants ont divergé sur le lieu de sa révélation. Est-ce qu'elle a été révélée à la Mecque ou est-ce qu'elle a été révélée à Médine? Et pourquoi cette divergence-là? C'est parce qu'on a des hadiths qui laissent entendre qu'elle a été révélée à Médine et des hadiths qui laissent entendre qu'elle a été révélée à Médine, à l'instar d'ailleurs des deux autres sourates. Alors parmi ces hadiths, on trouve le premier qui a été rapporté par Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, qui a dit: un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: parle-nous, unsub lana rabbak, parle-nous de l'ascendance, ou définis-nous, tout simplement, définis-nous ton Seigneur, ou parle-nous de l'ascendance de ton Seigneur. C'est alors que Allah Azza wa Jal, donc dit Jabir ibn Abdillah, c'est alors que Allah Azza wa Jal descendit Surat al-Ikhlas, ou Surat Qul Wallahu Ahad. Là, avec le hadith, là, on ne peut pas savoir, parce qu'un bédouin, ça peut bien être un bédouin de la Mecque, des environs de la Mecque. Lorsqu'on dit un bédouin, ça veut dire qu'il est loin de la cité, soit un bédouin qui serait venu des alentours de Médine. Donc là, on ne peut pas trancher. Mais en revanche, lorsqu'on voit le deuxième hadith qui est rapporté par Ubay ibn Ka'b, alors le premier hadith, pour votre information, il est rapporté par Abu Ya'la, par Ibn Jarir, par Ibn al-Mundhir, par al-Bayhaqi, ainsi que par Abu Na'im dans son livre Al-Hilyat al-Awliya. Le deuxième hadith, c'est un hadith rapporté par Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui dit: des polythéistes, et lorsqu'on dit polythéistes, donc ça fait référence à la Mecque, les Qurayshites, des polythéistes sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit: parle-nous de l'ascendance de ton Seigneur. Exactement la même question. Et suite à cela, Allah Azza wa Jal a fait descendre Sourate Al-Ikhlas. Et ce hadith-là a été apporté par Ahmed, par l'imam Tirmidhi, par le Bukhari, mais pas dans son Sahih, mais dans son livre At-Tarikh. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on vous dit le Bukhari sans rien préciser, c'est dans le Sahih, donc le hadith est authentique. Lorsqu'on vous dit le Bukhari, il l'a rapporté dans l'Adab al-Mufrad, il a un livre sur l'Adab al-Mufrad dans lequel il a recueilli des hadiths qui parlent de l'éthique. Et il a un livre qui parle de tarikh. Et là, il fait référence donc à des rapporteurs de hadiths et ainsi de suite. Donc là, il ne s'est pas engagé à ne recueillir que les hadiths authentiques. C'est seulement dans le livre de Sahih où il s'est engagé à ne recueillir que les authentiques. Dans les autres livres, il peut rapporter un hadith qui peut être faible. C'est pour ça qu'on rajoute cette précision-là, que dans quel livre il l'a cité. Ça a été rapporté aussi par le Hakim, et pour le Hakim, donc, il l'a considéré comme un hadith authentique, et ça a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Troisième hadith, c'est un hadith rapporté par Ikrima, radiyallahu anhu, sur Ibn Abbas. Ikrima sur Ibn Abbas, qui est son élève, sur Ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui a dit: un groupe de juifs, donc là, lorsqu'on dit juif, donc forcément, ça va arriver à Médine. Donc tout à l'heure, polythéiste, donc ça fait référence à la Mecque, et là, ça fera référence à Médine. Un groupe de juifs, parmi eux, Ka'b ibn al-Ashraf, donc qui était un des rabbins des juifs, qui s'est converti après, et Huyay ibn Akhtab, et d'autres, sont venus trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour lui dire: ya Muhammad, ô Muhammad, parle-nous des attributs de ton Seigneur qui t'a envoyé en tant que prophète. Dans une autre version, ils nous ont dit: ya Abu al-Qasim. Et ça vous montre aussi qu'il y avait quand même une marque de respect, ne serait-ce que dans l'apparence, vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on l'appelle par son kunya, Abu al-Qasim. Ya Muhammad, parle-nous des attributs de ton Seigneur qui t'a envoyé en tant que prophète. Sur ce, dit Ibn Abbas, ou on rapporte sur Ibn Abbas qu'il a dit, Allah Azza wa Jal a fait descendre cette sourate. C'est un hadith qui a été rapporté par Ibn Abi Hatim, par Ibn Adi, par al-Bayhaqi. Et c'est un hadith qui a été considéré comme hasan par Ibn Hajar al-Asqalani, par l'imam al-Suyuti, ainsi que par l'Albani, rahimahumullah. Le quatrième hadith, c'est un hadith qui a été rapporté par al-Dahhak, par Qatada et Muqatil. Et donc, tous les trois-là sont des tabi'in, qui sont des spécialistes dans l'exégèse du Coran. Et ils ont rapporté que quelques rabbins juifs sont venus devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ont dit: ô Muhammad, dis-nous qui est votre Seigneur, afin que nous puissions croire en toi. Allah, dans la Torah, fait descendre sa description. De grâce, dis-nous de ce dont il est fait, de quel sexe il est, est-il fait d'or, de cuivre ou d'argent, mange-t-il, boit-il, dis-nous aussi de qui
a-t-il hérité le monde et à qui il va le faire hériter ? Sur ce, Allah Azza wa Jal a fait descendre cette sourate. Donc, en fait, il lui posait des questions et il l'orientait vers une erreur. C'est ça, c'était ça leur but. On m'a jamais dans la Torah, Allah Azza wa Jal n'a dit qu'il est fait de cuivre, d'or, sans sexe, et ainsi de suite. Mais eux, quelque part, ils voulaient l'orienter pour qu'il se trompe. Dis-nous qu'il est ton Seigneur pour qu'on puisse croire en toi. De quelle matière il est fait ? Il est fait d'or, il est fait d'argent, il est fait de cuivre. Et quel est son sexe et tout ça ? En espérant que le prophète Hassan tombe dans le piège, bien entendu, qu'il leur dise « Ah oui, oui, il est masculin ou là, il est féminin. » Et là, le prophète Hassan s'est tué et c'est là que cette sourate lui... Alors, c'est là où elle lui serait révélée, il lui aurait été révélé, ou c'est là où le prophète Hassan a récité. Alors, le hadith dit que c'est là qu'elle est descendue. Mais de par tous les hadiths qu'on va voir, on peut donner une autre explication, comme on va le voir à la fin de cette présentation. Cinquième hadith, il a été rapporté sur Ibn Abbas aussi qu'une délégation de chrétiens cette fois-ci. Donc on a parlé d'une délégation de juifs, on a parlé de polythéistes. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. Parce que forcément, le prophète Salasim s'est présenté comme le messager de Dieu. Donc forcément, tout le monde va venir lui dire, du moins les censés, ou ceux qui veulent le piéger aussi, venir lui dire qui est ton Seigneur. C'est par là que ça commence. Donc on peut aussi comprendre qu'il y ait plusieurs personnes qui aient posé la même question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été donc aussi rapporté par Ibn Abbas qu'une délégation de chrétiens de Najran, on sait qu'il y a des chrétiens de la région de Najran qui sont venus chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont restés longtemps, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a accueillis, et c'est lui qui leur servait la nourriture. Il les a accueillis d'ailleurs dans la mosquée de Médine, et c'est de là que les savants ont tiré que le fait qu'un non-musulman rentre dans la mosquée de Médine ne pose absolument aucun problème. Ça a été aussi fait avec Thumama ibn Uthal, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ligoté autour d'un pilier de la mosquée. Donc ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, « Ya Muhammad, décris-nous ton Seigneur. Est-il fait de péridot ?» Donc là c'est une pierre précieuse, « de perles, d'or ou d'argent ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, « Mon Seigneur n'est pas fait de substance, il est unique et exalté au-dessus de tout. » Et c'est là que Allah Azza wa Jal a descendu sourate Al-Ikhlas. Celui qui a rapporté ce fait-là, ou bien ce récit-là, c'est Ali ibn Ahmed Al-Wahidi, qui est un exégète aussi, et qui est mort en l'an 468. Alors, de tous ces hadiths-là, on voit que certains ne précisent pas qui a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le cas du premier hadith de Bête qui a parlé du Bédouin. D'autres hadiths parlent d'une délégation ou de polythéistes, donc là ça fait forcément référence à la Mecque. D'autres parlent de juifs ou de chrétiens, et là forcément ça fait référence à Médine. Donc ce qu'on peut comprendre de là, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, c'est que la première révélation de cette sourate fut à la Mecque. Et lorsque la même question se répétait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de deux choses l'une, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tait en attendant si Allah azza wa jalla va lui donner une nouvelle révélation qui va s'étaler sur sa définition. Et là, Allah Azza wa Jal lui révèle toujours la même chose. Ça veut dire, lorsqu'il est à Médine, il attend, le prophète ne répond pas, il attend, et Jibril lui dit, répète-leur. Donc là, c'est comme, ce n'est pas une nouvelle révélation, c'est comme un rappel de ce qui a déjà été révélé, où Jibril alayhi salam lui dit, la réponse adéquate à cette réponse, à cette question, c'est Sourat Al-Ikhlas. Mais la vraie révélation fut à la Mecque. Et c'est pour ça que la majorité d'ailleurs de savants la considère comme une Sourat Mecquoise. D'autant plus qu'il peut réconforter cet avis-là, c'est que nous, comme nous savons tous, et les hadiths l'ont rapporté authentique, Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, qui était l'esclave de Umayya ibn Khalaf, lorsque ce dernier le punissait et lui faisait voir les pires des supplices pour qu'il s'apostasie, qu'est-ce qu'il répétait toujours ? Ahadun ahad, ahadun ahad. Et donc ce mot-là, le mot ahad, concernant Allah Azza wa Jalla, n'existe que dans cette sourate. Dans tout le Coran, c'est la seule sourate où il y a le mot ahad. Donc là, on peut aussi dire que Bilal, radiallahu anhu, à cette époque-là, et c'était à l'aube de l'islam, donc c'était tout au début de l'islam, avait donc connaissait déjà cette sourate-là, et il était imprégné par cette sourate, il a compris le sens de cette sourate, et lorsqu'eux lui demandaient d'associer avec Dieu notre divinité, il répétait le mot principal
de cette sourate, c'est Ahad. Et il répétait seulement Ahadun, Ahad, Ahadun, Ahad. Donc ça laisse entendre que la sourate était déjà révélée à cette période. Et lui, il a subi justement cette punition et ces supplices-là dès le début de l'islam. Alors maintenant, le troisième et dernier point de cette soirée, c'est concernant les mérites de cette sourate. Cette sourate, en quatre versets, simple, court, facile à apprendre par cœur, a défini Allah Azza wa Jal. C'est le minimum de mots qui peuvent définir Allah Azza wa Jal. Une définition très intéressante, et on reviendra dessus, où il y aura une partie qui était positive, qui confirme, et une partie qui infirme. Et on reviendra à ça. Donc une partie qui confirme et une partie qui infirme. Donc même la structure, le squelette de la sourate montre son caractère miraculeux. Donc en quatre versets seulement, et vous le savez très bien, les enfants, c'est pratiquement la première sourate qu'ils peuvent apprendre, puisqu'il est simple et rapide. Donc a défini Allah Azza wa Jalla, c'est ce qui fait d'elle une sourate méritoire et qu'il y a énormément de fada'il. Alors on va voir ça selon une série de hadiths, une dizaine de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim sur Abu Darda radiyallahu anhu qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Aya'jazu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluth al-Qur'an? L'un de vous serait-il incapable de réciter le un tiers du Coran en une seule nuit? Aya'jazu ahadukum an yaqra'a fi kulli laylatin thuluth al-Qur'an? قالوا كيف يقرا ثلث القران كم وان نم peut-il lire le un tiers du Coran en une seule nuit? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: قل هو الله احد تعدل ثلث القران. قل هو الله احد équivaut au un tiers du Coran. Voilà, là ça montre le قل هو الله احد تعدل ثلث القران, ça équivaut au tiers du Coran. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Donc là ça vous montre tout de suite le grand mérite qu'elle a. Et ce que je vous ai cité, c'est la version de Muslim. Le deuxième hadith, rapporté par Muslim, sur Abu Huraira, radiyallahu an, qui dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Uhshudu ». Uhshudu, ça veut dire rassembler les gens. « Fahushida man hushid » ou « Fahashada man hashad ». Même ce sens-là, c'est correct. Donc, et ceux qui ont pu se rassembler, se sont rassemblés. Ou ceux qu'il a pu rassembler, hachad amel hachad, ceux qu'il a pu rassembler, il les a rassemblés. Thumma kharaja sallallahu alayhi wa sallam alayhim. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui lorsque tout le monde s'est rassemblé. Et avant cela, justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, rassemblez-vous, je vais vous lire le tiers du Coran. Rassemblez-vous, je vais vous lire le tiers du Coran. Et c'est là où ils se sont rassemblés, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de chez lui. Et il a lu « قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ». Ensuite, il est rentré chez lui. Lorsqu'il est rentré chez lui, Abu Huraira dit, et chacun a commencé à parler à l'autre. Et on s'est dit, il a dû recevoir une révélation qui est venue, et c'est pour ça qu'il est rentré. Il a dû recevoir une révélation, et c'est pour ça qu'il est rentré. Et donc, les compagnons ont commencé à l'attendre. Ils ont commencé à attendre, à attendre. Et à un moment, le prophète Sarasme est sorti. Donc, eux, ils attendaient parce qu'ils attendaient la suite du tiers du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est une manière aussi de transmettre un message pour qu'il soit ancré dans la tête. Il a récité là, je vais vous lire le tiers du Coran, il a récité sa sourate, il est rentré. Donc lorsqu'il a vu qu'ils sont restés devant la porte, donc il est ressorti. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il leur a dit, inni qultu lakum sa'aqra'u lakum thuluth al-Quran. Je vous ai dit que je vais vous réciter le tiers du Coran. Inna ala innaha ta'dilu thuluth al-Quran. Sachez que cette sourate-là équivaut au tiers du Coran. Donc là, c'est-à-dire ça, je vous ai récité le tiers du Coran. On reviendra sur ce point du tiers du Coran. Le troisième hadith qui montre son mérite, c'est un hadith rapporté par le Bukhari sur Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, qu'un homme parmi les compagnons a entendu un compagnon réciter « Qul huwallahu ahad » et l'a répété plusieurs fois. Il l'a répété, il a entendu cela. Et donc, le lendemain, le premier homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, ya Rasulallah, j'ai entendu un tel en train de lire qul huwallahu ahad, il l'a répété. Et celui qui rapporte le hadith, Abu Sa'id al-Khudri, il dit,
وكان الرجل وكأن الرجل يتقالها. C'est comme si cet homme-là l'a sous-estimé. Il l'a répété plusieurs fois. يتقالها, ça vient du qalil. Qalil, c'est le peu. Donc il l'a sous-estimé. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. Par celui qui détient mon âme dans sa main, elle équivaut au tiers du Coran. Donc encore une fois, un hadith qui confirme ce qu'on a dit auparavant. Le quatrième hadith est rapporté par Aïcha radiallahu anha, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un homme à la tête d'une expédition. Et forcément, lorsqu'il l'a mis à la tête de l'expédition, c'est lui qui devient l'émir. Et c'est lui qui doit diriger, bien entendu, les prières. Alors pendant tout le voyage de cette expédition, cet homme-là dirigeait la prière, et à chaque fois qu'il récitait du Coran, il concluait sa lecture avec la récitation de Qul Huwallahu Ahad. Autrement dit, il récite une sourate, lors de la première raka par exemple, il récite le Fatiha, ensuite une sourate n'importe laquelle, et ensuite il termine avec Qul Huwallahu Ahad. Deuxième raka, il fait pareil, toujours. Une Fatiha, une sourate, et Qul Huwallahu Ahad. Donc ça, ça a un petit peu interpellé les compagnons, parce que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Bien entendu, si c'était certains de notre époque, ils vont tout de suite lui dire: tu es un moubtadi, on ne prie plus derrière toi, on n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire, et lui faire la guerre. Non, eux, ils ont attendu, voilà la sagesse. J'ai le savoir, je n'ai pas le savoir. Ils ont attendu de revenir à Médine, et ils sont allés voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils lui ont dit à Rasulallah: un tel que tu as mis à notre tête, à chaque fois qu'il récite, il a fait quelque chose que tu n'as jamais fait, c'est qu'il lit une surah et ensuite il termine avec Qul Huwallahu Ahad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, le prophète sallam, il ne l'a pas jugé. Il n'a pas dit: Adam mubtadi wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar, pourquoi il a fait ce que j'ai jamais fait. Comprenez le bid'a. C'est là où il faut comprendre avec des hadiths comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: demandez-lui pourquoi il fait ça. Au moins que je comprenne avant de juger. Demandez-lui pourquoi il fait cela. Donc ils sont allés lui demander: pourquoi tu fais ça? Il leur a dit: parce que j'aime cette sourate. J'aime cette sourate. Et là, ils sont revenus chez le prophète. Il m'a dit: il a dit qu'il aime cette sourate, c'est pour ça qu'il la lit dans toutes ses prières. Et donc, le prophète leur a dit: akhbirouhu anna Allah yuhibbu. Dites-lui qu'Allah Azza wa Jalla l'aime. Voilà. Il n'a pas dit bid'a, il n'a pas dit ceci, il n'a pas dit cela. Pourquoi tu as fait ça? Je le fais parce que j'aime cette sourate. Et pourquoi lui, il l'aime? C'est qu'il a compris le sens de cette sourate. Là, on va toujours chercher le sourate langue que les gens ne connaissent pas pour dire: Masha'Allah, il connaît plus de Coran que moi, que nous, et ainsi de suite. Non. Les gens, ce qu'ils cherchaient, c'est ce qui touchait leur cœur. Les savants se sont beaucoup attardés sur ce hadith-là. Ils ont dit déjà que c'est possible de lire une sourate qu'on aime en plus du reste. Et lorsque tu aimes une sourate parce qu'elle parle de Dieu, Allah Azza wa Jalla t'aime. Et les savants ont dit aussi qu'on peut lire énormément certains sourates parce qu'on les aime. Parce que chacun peut être interpellé beaucoup plus par une sourate, il la déguste beaucoup plus que d'autres, ça peut. Et dans ce cas, s'il la récite beaucoup de fois, il n'y a aucun mal à le faire. Et le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Le cinquième hadith, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi sur Anas ibn Malik. Anas, comme vous le savez, c'était quelqu'un qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant une dizaine d'années, donc il connaissait très bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a fait beaucoup de ad'aïa pour lui. Et dans ce hadith-là, il a dit: il y avait parmi les Ansar un homme qui menait la prière à Quba. Donc vous connaissez Quba, c'est une région qui est à quelques kilomètres de Médine, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a construit la première mosquée de l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque semaine, leur rendait visite tous les samedis. Donc il leur rendait visite pour prier là-bas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui fait ses ablutions chez elle et ensuite vient accomplir des rak'at dans cette mosquée-là aura la récompense de celui qui a accompli une umrah. Sauf ceux qui habitent dans le quartier. Dans ce cas, non, eux, n'auront pas ce privilège. C'est ceux qui sont à l'extérieur de ce quartier. Donc les gens de ce quartier-là avaient nommé une personne parmi eux, pour diriger la prière. Et cet homme-là, donc ce qu'il faisait, à chaque fois qu'il veut réciter le Coran, il commence par surat, donc le Fatiha, ensuite surat al-Ikhlas, et ensuite une surat. Ça veut dire qu'il fait l'inverse de celui qui était dans le voyage, dans l'expédition. Lui, il terminait,
il concluait avec Sourate Al-Ikhlas. Celui-là, il commençait avec Sourate Al-Ikhlas. Toujours dans toutes les prières à haute voix. Donc, les gens l'ont interpellé. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu lis Sourate Al-Ikhlas en plus d'une autre Sourate? Ou bien tu te contentes de l'Ikhlas? Et dans ce cas, tu la lis dans une raka'a, mais pas dans la deuxième. Ou bien tu lis l'autre Sourate et tu ne lis pas cette Sourate. Alors lui, il leur a dit, écoutez, c'est soit vous me laissez prier comme ça, soit j'arrête de vous diriger dans la prière. Voilà, c'est votre choix. Moi, c'est comme ça. Je veux rien savoir. Soit c'est comme ça, soit j'arrête de faire la prière. Donc, ils ont attendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rende visite. Et lorsqu'il leur rendit visite, ils sont allés le voir. Ils ont dit à Rasoulallah, voilà ce que fait cette prière. Voilà ce que fait cette prière. Et ils n'ont pas voulu justement l'écarter de l'imama parce qu'il était le meilleur parmi eux et ils ne voulaient pas prendre quelqu'un d'autre. Ils l'aimaient, ils le respectaient, ils ne voulaient pas prendre quelqu'un d'autre. Donc, ils ont attendu l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui poser la question. Donc, toujours attendre le prophète pour poser la question. Et donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à lui. Il lui a dit, qui te pousse à réciter cette sourate à chaque raka'a? Et l'homme de répondre, Ya Rasulallah, inni uhibbu hadhihi surah. J'aime cette sourate. Exactement comme celui qu'on a cité tout à l'heure. J'aime cette sourate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ton amour pour cette sourate te fait gagner le paradis. Laqad adkhalaka hubbuha al-jannah. Ton amour pour cette sourate t'a fait rentrer ça et tu es promis au paradis. C'est même pas tu es promis, ça y est. Ton amour pour cette sourate t'a fait entrer au paradis. Et c'est un hadith qui a été authentifié par l'Albani. Le sixième hadith est rapporté par Ahmed sur Abdullah ibn Buraïda, sur son père qui dit, je suis entré à la mosquée. Et regardez cette image-là. Je suis rentré à la mosquée en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma main dans la sienne. Regardez le prophète. Il prend la main de quelqu'un. C'est ça la douceur. Tu prends quelqu'un par la main. C'est des hommes. Il le prend par la main. C'est ça. Là, c'est une communication non-verbale qui a tout son sens et qui veut tout dire. Et lui, d'ailleurs, il n'a pas oublié de le mentionner dans le hadith parce que ça l'a marqué. J'étais entré à la mosquée un jour avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma main dans la sienne. Et nous vîmes alors un homme en train de prier et de dire Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allahu al-wahid al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seigneur, je t'implore, ô toi qui es al-wahid al-ahad, l'unique, as-samad. C'est-à-dire, il a repris quelque part la même sourate, mais il implore Dieu avec toute cette sourate-là. C'est-à-dire, je t'appelle par ce par quoi tu t'es identifié dans cette sourate. Donc, il a invoqué Allah Azza wa Jal, et c'était pendant son tashahud. Donc, ça, il a dit pendant tashahud, alors qu'il n'a jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça pendant tashahud. D'accord ? Il a fait une bid'a, n'est-ce pas ? Mais c'est une bid'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a validé. Lorsqu'une fois il est validé, ce n'est plus une bid'a. On comprend. Lorsque un compagnon fait quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, et le prophète le valide, ça devient une sunna. C'est pour ça, sunna, on l'appelle quoi? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien ses actes, ou bien son agrément de ce qu'un compagnon a fait. D'accord? Mais ce qui doit nous interpeller, c'est comment les compagnons, même s'ils savaient qu'il est interdit d'innover dans la religion, se permettaient parfois de faire certaines choses comme celle-ci. C'est parce qu'ils ne voyaient pas qu'ils avaient fait du mal. Je fais une invocation à Allah Azza wa Jalla. Et d'ailleurs même, Rabbana wa laka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, cette formule-là, ce n'est pas le prophète Asma qui l'a instaurée. C'est un compagnon qui priait derrière le prophète Asma, il a dit ça. Hamdan kathiran tayyiban. Le prophète Asma lui a dit, qui a dit cette parole-là? Il lui a dit, ya ana ya Rasulallah, c'est moi. Il avait peur, c'est moi. Et il lui a dit, j'ai vu plus de 70 anges qui se disputaient pour voir qui va la prendre le premier. Et c'est devenu une sunna. Les ablutions après, enfin, deux rak'at après les ablutions. Ça, c'était Bilal, radiallahu anhu, qui le faisait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir, et Bilal lui a dit, qu'est-ce que tu fais de si particulier? Parce que j'ai entendu le bruit de tes sandales dans le paradis. Qu'est-ce que tu fais de si particulier? Il lui a dit, je fais que ce que tu fais, exactement ce que font tout le monde. Il lui a dit, non, il lui a dit, il y a une chose, à chaque fois que je fais les ablutions, je fais deux rak'at. Il lui a dit, ben, c'est celle-ci. Donc là aussi, il a fait une bid'a, mais c'est une bid'a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adoptée. Après, c'est devenu une sunna pour tout le monde. C'est là où les savants disent, mais est-ce que ça nous donne le droit, nous musulmans, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de faire pareil ou pas?
Certains, ceux qui sont draconiens, hein, ils vont dire non, ça y est, c'est fini. La porte s'est fermée. D'autres, ils disent oui, mais si les compagnons se sont permis de le faire, d'autant plus que ça ne contredit pas l'essence de l'islam et les instructions du professeur Abbaslam, où est le mal? Je verrai Dorkat à un moment de la journée, mais sans penser que c'est quelque chose de particulier, ben voilà, Shukra Lillah ou quelque chose comme ça. Ou un dua particulier que je fais pendant Tashahud, où est le problème? Je le rajoute, où est le problème? Non. Mais par contre, changer quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, là non. Éliminer quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait, là bien entendu non. Donc c'est là où il y a la divergence entre ceux qui donnent un sens beaucoup plus large à l'bida et ceux qui la limitent. Donc on a dit que lorsqu'il a dit ce dua là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ayant entendu, a dit لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِسْمِهِ الْأَعْظَمِ. Il a imploré Dieu avec son nom glorieux. الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. Il a invoqué Dieu avec son nom glorieux qui, lorsqu'il est sollicité avec, il donne. Et lorsqu'il est appelé avec, il répond. Et vous savez, donc, on sait qu'il y a à Dieu 99 noms, 100 moins 1. Et parmi eux, il y a l'ism al-A'zam qui est caché, on ne le sait pas. Donc certains disent c'est le Hayyul Qayyum, certains disent c'est le Hayy, certains disent le Qayyum, certains disent la ilaha illallah. Certains, le hadith là, il dit qu'il est dans ce qu'a, la formule qu'a dit ce compagnon-là, et cette formule-là est dans Surat al-Ikhlas. Donc ça me montre aussi son mérite, c'est qu'il contient ism Allah al-A'zam. Le septième hadith est rapporté par Abu Dawoud. C'est un hadith aussi qui a été authentifié par l'Albani sur Handala ibn Ali qui le rapporte sur Mihjan ibn al-Adra' radiallahu anhu, qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la mosquée et il a vu un homme qui, après avoir terminé sa prière et pendant son tashahud, disait à peu près la même chose, Allahumma inni as'aluka ya Allah الأحد الصمد الذي لم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي فإنك أنت الغفور الرحيم. Ô Seigneur, je t'implore, ô toi qui es l'Ahad al-Samad, الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, de me pardonner parce que tu es le pardonneur, le miséricordieux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit قد غفر له قد غفر له قد غفر له. Il a été pardonné, il a été pardonné, il a été pardonné. Parce qu'il a dit cette formule. Il a repris ce qui a été dit dans cette surah. Donc si vous voulez invoquer Dieu, voilà. N'allez pas aller chercher très loin. Et avec ce que Dieu nous a donné. Surah al-Ikhlas, utilisez dans votre dua, regardez ce que dit le professeur Aosm. C'est les meilleures formules. On n'a pas à chercher loin. Voilà. Le professeur Aosm, c'est lui qui nous désigne. Je n'ai pas besoin d'aller chez un cheikh pour m'écrire la liste de ce que je dois dire chaque jour, le matin, le soir. Si je me contente de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur référent, c'est qui? Le meilleur référent en matière d'invocation. On va invoquer mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un pourrait-il nous conseiller mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce que nous devons faire comme formulation pour invoquer Allah azza wa jalla? C'est réduire le mérite du prophète sallallahu alayhi wa sallam que de penser cela. Donc voilà, notre cheikh dans cette affaire-là, c'est le professeur. Allez voir ce qu'il nous conseille ou ce qu'il a adopté comme formulation pour invoquer Allah Azza wa Jal. Le huitième hadith est aussi c'est un hadith sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait protection auprès de Dieu en récitant cette sourate plus le de Mu'awidat, ça je l'ai dit. Donc ça montre que cette sourate-là est une protection aussi, en plus de Al-Falaq et de Sourate An-Nas. Et on a dit le hadith de Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait son corps après avoir récité cette sourate et les deux autres et soufflé dans sa main. Le neuvième hadith a été rapporté par Ahmed sur Uqba ibn Amir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce dernier, Ya Uqba, veux-tu que je t'apprenne les trois meilleures sourates? Veux-tu que je t'apprenne les trois meilleures sourates révélées dans la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Furqan glorieux, ça veut dire le Coran, les trois meilleures sourates dans tous ces livres-là? Et Uqba ibn Amir, il a dit, bien sûr, Ya Rasulallah, fidaka nafsi.
Il me récita alors, donc il dit, il me récita alors, قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق, et قل أعوذ برب الناس. Et ensuite il me dit, يا عقبة, ne les oublie pas, c'est-à-dire apprends-les par cœur, ne les oublie pas et ne passe pas en une nuit sans les avoir récités. Ne passe pas une nuit sans les avoir récités. Donc avant de dormir, il faut, il convient, ou nous sommes invités à réciter ces sawar. Le dixième et le dernier hadith, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed avec une bonne chaîne de transmission dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui lit qul huwallahu ahad et la termine 10 fois, donc il la termine 10 fois, Allah lui construit un palais dans le paradis. Ben Allahu lahu qasran fil jannah. Celui qui lit qul huwallahu ahad, il la termine, il la répète 10 fois, Allah azza wa jalla lui construit un palais dans le paradis. S'il lui construit un palais, c'est pas bien, comme je dis toujours, c'est pas pour qu'il reste vide, inhabité. C'est forcément, puisqu'il est destiné à lui, c'est forcément pour qu'il l'habite. Ça veut dire qu'il entre en paradis, et non seulement il entre en paradis, il aura un palais. Ce n'est pas une simple demeure, mais un palais. En la récitant 10 fois seulement. Donc imaginez rien que ça, ce qu'on peut gagner comme hasanat avec des choses qui sont mentionnées dans le Coran et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question maintenant par laquelle on termine ce cours, c'est pourquoi cette surah équivaut-elle au tiers du Coran. Alors, les savants ils disent il faut distinguer entre deux choses. Il y a ce qu'on appelle al-jaza, la récompense, et il y a ce qu'on appelle al-ijza, la suffisance. Al-jaza ou al-ijza, ce sont deux choses qui sont différentes. Pour le jaza, pour la récompense, la lecture de Sourate al-Ikhlas équivaut à la lecture du tiers du Coran au niveau de l'jaza, au niveau de la récompense. Ça veut dire, tu prends deux personnes, une va lire le un tiers du Coran, le un tiers. L'autre, elle va lire « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » jusqu'à la fin. Ils ont exactement la même récompense. Voilà. Dieu a décidé comme ça. Vous allez dire, oui, c'est oui, mais l'autre, il a pris plus de temps, il a quatre. C'est comme ça. Et pourtant, on ne la lit pas. D'abord, il y a certains qui disent ça. Oui, mais c'est trop facile. Mais est-ce que tu le fais? Ah, ça, il faut voir. Donc, ils ont exactement la même récompense. Celui qui va lire le tiers du Coran et celui qui va lire. Mais concernant l'ijza, est-ce que c'est suffisant? Parce que quelqu'un peut se dire, moi, dans ce cas, dans une prière, je peux lire « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ » 3 fois. Et si je lis 3 fois, c'est comme si je lis tout le Coran. Donc, je n'ai pas besoin de lire le Fatiha, par exemple. Est-ce que ça passe? Ça ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas l'ijza, elle n'est pas suffisante. Elle ne remplacera pas le Fatiha. Ce n'est pas pour autant que tu l'as lu 3 fois que tu n'as plus besoin de lire le Fatiha. Tu dois lire le Fatiha. Quelqu'un qui a fait un nadr, un vœu, un engagement devant Dieu, qui a dit, si je réussis mon bac, ou là si je trouve une femme pour ceux qui cherchent des femmes, tout ça, si je réussis à trouver une femme, une épouse, je vais lire le tiers du Coran. Et il a trouvé son épouse comme tout le monde. Et après, il a dit, ouais, mais tiers du Coran, ça, c'est difficile. Donc là, oui, j'ai une petite ruse. Comme la lecture de Surat al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran, je vais la lire et je vais dire, ça, c'est ce que certains appellent hila al-fiqhiyya, la ruse juridique. Est-ce que ça marche là? Ça ne marche pas. Parce que la récompense n'est pas la suffisance. Al-jaza, laysa al-ijza. Donc là, on va lui dire, non, tu dois lire le un tiers du Coran. D'accord. Le jaza, c'est une chose, mais tu as dit de la lecture du tiers du Coran. Tu dois lire la lecture. C'est pour ça que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui a fait une prière dans le masjid al-haram, c'est comme s'il a fait, enfin, il a la récompense de celui qui a fait 100 000 prières ailleurs, à part la mosquée de Medina et la mosquée de Jérusalem. 100 000. Mais est-ce que parce que tu as fait une prière, tu vas dire, je vais maintenant m'arrêter de faire la prière jusqu'à ce que j'arrive au chiffre 100 000, ah, je reprends? Non. Laisse un kail jaza, la récompense, mais ce n'est pas pour autant qu'elle te suffit pour ne pas faire d'autres obligations. Il n'y a pas l'ijza. Kail jaza, il n'y a pas l'ijza. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pourquoi elle équivaut au tiers du Coran? Parce que les savants disent, le Coran, il aborde
trois grandes thématiques. Après, il y a plusieurs thématiques, mais si on rassemble, on commence à rassembler, le maximum, à compacter, on va trouver trois grandes thématiques. La thématique de tout ce qui est décret religieux, c'est la jurisprudence, ce qui est halal, ce qui est haram, ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire. C'est le halal ou le haram, donc les décrets religieux. Ça, c'est la grande thématique. La deuxième thématique, là, les savants, ils ont divergé. Certains ont dit le récit de ceux qui ont précédé. Et certains ont dit al-wa'd ou al-wa'id. Al-wa'd, ça veut dire la promesse d'Allah, le paradis, vous aurez ça dans le paradis, vous aurez ceci, vous aurez cela, vous aurez cela. Ou al-wa'id, c'est la menace, vous aurez ça dans l'enfer, vous aurez ça dans l'enfer. Donc ça, c'est une thématique qui va parler de al-wa'd ou al-wa'id. D'accord ? Et certains disent ça rentre, parce que lorsque là, je parle des récits de ceux qui ont précédé, c'est pour nous mettre en garde. Lorsqu'ils étaient bien, c'est pour suivre leur pas. Lorsqu'ils étaient mauvais, c'est pour ne pas suivre leur pas. Donc ça tourne autour de la même thématique. Donc c'est seulement la définition qui change d'un groupe de savants à d'autres. Donc la première thématique, grande thématique, c'est le licite et l'illicite, les décrets religieux. La deuxième thématique, c'est les promesses et les menaces sur ce qu'il y a. Et dedans, il y a bien entendu les récits. Et la troisième grande thématique, c'est tout ce qui se rapporte à la doctrine islamique, à l'aqida, à tawhid. Et donc, puisque cette sourate-là, c'était la grande symbolique de tawhid, puisqu'elle parle de tawhid Allah Azza wa Jalla, la chose la plus importante dans la doctrine islamique. Dans la doctrine, on étudie plusieurs thématiques. Des thématiques liées à Allah Azza wa Jalla, des thématiques liées au prophète, des thématiques liées au livre, des thématiques liées à l'qadar, des thématiques liées à l'au-delà, ainsi de suite. Mais la thématique la plus importante, c'est l'identité d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'on appelle ilahiyat, tout ce qui se rapporte à Allah Azza wa Jal. Et comme c'est cette sourate-là qui a résumé tout, donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle équivaut au tiers du Coran. Donc dans l'ajr, et parce qu'elle aborde, elle est le titre du un tiers du Coran, de tout ce qui se rapporte à la doctrine islamique. Et là, les savants, ils disent, même concernant le jaza, il faut faire attention. Ils disent, le jaza peut être équivalent au niveau de la valeur, mais au niveau de la rentabilité, ils peuvent ne pas être équivalents. L'exemple, c'est que, imaginez, je peux avoir 100 000 euros, et je peux avoir l'équivalent de 100 000 euros en biens matériels. J'ai une voiture, j'ai un appartement, j'ai des habits, j'ai ceci, j'ai cela. Ou l'autre, il a 100 000 euros. Qui profite directement de la valeur de ce qu'il possède? C'est l'autre. Parce que là, il profite tout de suite. J'ai la maison, je dors, je gagne, j'ai une voiture. Là, il a 100 000 euros, il a de la valeur entre ses mains. Mais cette valeur-là ne lui sert pas directement, d'une manière directe. Tu peux avoir la valeur de... Pardon, j'ai 1 000 euros et tu sors dans le froid, d'accord, à 0 degré. Et tu as un qui a l'équivalent de 1000 euros en habits. Qui est mieux que l'autre? C'est celui qui a les habits, parce que ça va lui servir tout de suite dans le froid. Et c'est pour cela que quelqu'un qui va lire le un tiers du Coran et quelqu'un qui va lire Sourate Al-Ikhlas, ils auront la même récompense. Mais celui qui va lire le un tiers du Coran, forcément, il va s'imprégner de beaucoup de thématiques, plusieurs thématiques. Il va apprendre plus de savoir. Et ce savoir-là va lui être rentable beaucoup plus que celui qui s'est contenté de Sourate Al-Fatiha. Donc en termes de valeur, ils ont la même chose. Mais celui qui multipliera la récompense, celui qui a une récompense féconde, qui va lui générer encore plus de rentabilité, c'est celui qui a lu le un tiers du Coran. Et tout ça, c'est pour dire, ne soyez pas des économes. De dire, moi je suis économe, je cherche Kadas et je ne veux rien savoir. Non, celui qui lira le un tiers du Coran sera toujours mieux. Peut-être pas au niveau de la valeur de la récompense, mais lui, il a appris d'autres choses, il va craindre plus Dieu parce qu'il a lu certaines choses, il connaîtra le récit de ceux qui sont précédés, il connaîtra certaines choses de l'aqida, beaucoup mieux que celui qui s'est contenté de toute sa vie de lire seulement cette sourate. Il va apprendre ce que c'est que le paradis, l'enfer, ceci, cela. Et ça, il y a en plus des hasanats, ça va générer d'autres hasanats qui ne vont pas être générés par les hasanats de base qui ont été obtenus par celui qui s'est contenté de lire Sourate Al-Ikhlas. Donc voilà, il faut faire toujours attention lorsque vous entendez des hadiths dans ce sens-là, distinguer entre Al-Jaza et Al-Ijza. Et donc concernant maintenant l'objet de cette sourate, c'est les thématiques abordées par cette sourate, Inch'Allah, on lui consacrera
la prochaine rencontre باذن الله عز وجل نفعني الله واياكم بالقران الكريم وبحديث سيد الاولين والاخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين